Regardez ce que j'ai reçu au courrier ce matin. Une carte de vœux. Est-ce que vous savez pourquoi et depuis quand on envoie des cartes de vœux? Eh bien, on va tout vous dire sur cette belle tradition. Je connais d'ailleurs une famille qui en envoie tous les ans. On va aller les rencontrer. Marcel, direction les Roches de Condrieu en Isère. Alors, les cartes de vœux, il en existe de tous les genres. Par exemple, en papier, en carton, par mail, message audio, message vidéo. Éloane, peux-tu nous expliquer depuis quand on envoie des cartes de vœux? Avec la nouvelle année qui approche, il est de coutume d'envoyer ses vœux pour souhaiter à ses proches tout le bonheur possible. La carte de vœux est en fait une invention anglaise qui est apparue suite à une grande innovation dans leur système postal. Jusqu'au début du 19e siècle, le coût du transport d'un courrier n'était pas payé par l'expéditeur mais par le destinataire. Le gros inconvénient de ce système était que de nombreux destinataires refusaient les lettres reçues, ce qui coûtait très cher à la poste. En 1840, les Britanniques inventent le tout premier timbre-poste, représentant le portrait de la reine Victoria. Il est noir et vaut un penny, ce qui lui vaut le surnom de Penny Black. L'apparition du timbre couplé à l'invention de la lithographie popularise les cartes de vœux. Cette charmante coutume anglaise se propagea vite dans le reste de l'Europe, mais en France, elle se mêle à un autre rite, la visite de ses proches dans la quinzaine qui suit le nouvel an. Au 19e siècle, cette tradition était même plus étendue. On allait rendre visite aux collègues, aux patrons, ainsi qu'à des malades. Cette pratique était assez contraignante et certaines personnes cherchaient à éviter ces nombreuses visites. Pour y échapper sans paraître désobligeant, l'usage acceptait qu'on laisse au concierge une carte de visite en guise de preuve de son passage sur laquelle on écrivait une formule de vœux. Voilà d'où vient cette belle tradition des cartes de vœux. Eh bien, merci, c'était fort intéressant. Alors, on peut souhaiter toutes sortes de choses dans une carte de vœux. Et nous allons nous tourner vers des spécialistes, la famille Ponceau. Titouan, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais souhaiter à nos amis qui regardent l'émission? Pour 2022, je vous souhaite une année pleine de magie et d'étoiles dans les yeux. Merci Titouan. Guirec, c'est à ton tour. Une idée de vœux pour 2022? Je vous souhaite une année 2022 pleine de santé et d'équilibre. Comme moi. Pensez à faire du sport et à vous entretenir. Quelle souplesse ce Guirec. Laure, une idée plus féminine? Je vous souhaite une année 2022 pleine de poésie et d'amour. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picotée par les blés, foulée l'herbe menue, rêveuse, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature heureuse et émue jusqu'aux larmes. C'était très beau. Eric, des vœux du même style? Yo! Je vous souhaite une année 2022 pleine de rythme, pleine de tempo et pleine de chansons. Allez, y va, balance la zikmu. Oh yo, trop de la balle. Plus de 40 ans que j'enseigne. J'en ai vu passer des gamins, des sympas, des mignons, des teignes, des attachants et des burins, des silencieux et des bavards, tous uniques et tous différents. Pour les surdoués, ce
parents. C'est avec eux, il faut le dire, que c'est souvent plus compliqué. Et s'ils n'ont pas toujours fait rire, ils nous donnent de quoi raconter. Alors préférant en sourire, j'ai mis de côté leurs leçons, leur vous avez qu'à, leur délire, pour un peu de conjugaison. Éduquons, prenez-le comme ça vous arrange. Éduquons, c'est mon refrain, c'est ma chanson. Éduquons, ce sont des homonymes étranges. Éduquons, chantons ensemble à l'unisson. Éduquons, prenez-le comme ça vous arrange. Éduquons, c'est mon refrain, c'est ma chanson. Éduquons, ce sont des homonymes étranges. Éduquons, chantons ensemble à l'unisson. Yo. Merci pour ce vœu rythmé. Eloan, je crois que tu as une proposition pleine de cœur. Je vous souhaite une année 2022 pleine de chance et de réussite. Garek, une idée plus philosophique ? Je vous souhaite une année 2022 pleine de quiétude, de réconciliation, de sérénité et de paix. Et je vous rappelle que les seules chenilles qui se transforment pas en papillons sont les chenilles des chars d'assaut. À méditer. C'est une belle pensée. Titouan, des vœux du même ordre ? Pour 2022, je vous souhaite de toujours voir les choses du bon côté, de rester constructif. En bref, de toujours être positif. Enfin, pas trop, parce qu'en ce moment, ça craint un peu. Merci Titouan. Laure, des vœux plus surprenants ? Je vous souhaite une année 2022 pleine d'adaptabilité, de diplomatie et de souplesse. Souplesse physique et souplesse d'esprit. Et maintenant, qui veut nous souhaiter une année 2022 pleine d'humour ? Personne ? J'ai compris, comme tous les ans, c'est moi qui m'y colle. Alors, je vous souhaite une année 2022 pleine d'humour, de sourire et de fou rire. Savez-vous quel est le super-héros qui donne le plus vite l'heure ? C'est Spider-Man. Et comment on appelle les parents de l'homme invisible ? Les transparents. Oui, je sais. Hier, j'ai même raconté une blague à Jésus et même lui, il m'a dit « Elena, arrête ». Eric, je crois que tu veux nous souhaiter du rêve ? Oui, je vous souhaite une année 2022 pleine de rêves, d'évasion et de folie. Et je vous propose d'ailleurs de faire un rêve ensemble. C'est très simple, regardez. En 2021, on avait plus le Coplin. En 2022, on n'aura plus le Covid. Plus le Covid ? Voilà, notre émission se termine. On va laisser la famille Ponceau au grand complet, ce qui a été très rare cette année, conclure et vous souhaiter une bonne année 2022 en toute complicité. La famille Ponceau vous souhaite une excellente année 2022.